On va commencer la paracha de Devarim et le livre de Devarim, les enfants. Le livre de Devarim, il s'appelle Mishneh Torah, c'est-à-dire la répétition de la Torah. Le mot Mishneh veut dire doublé, comme le vice-roi. Comment on dit en hébreu vice-roi? Mishneh le Melech. D'accord? Comment on dit deux chalot, Shabbat, il faut prendre deux chalot, lechem mishneh. D'accord? Donc, chaque fois, le livre de Devarim, il tombe avant Tisha B'Av. Ça fait 2000 ans. Si ce n'est pas plus, le livre de Devarim, pourquoi? Il y a des similitudes. Il y a un mot qu'il a dit, mon cher Rabbeinu, Echa Esa Levadi. Comment je vais porter, je vais porter seul Masa Achem. Je vais porter votre poids. On va voir. Très bien. Alors, le prophète Ishayahu, pareil, il a dit dans Shabbat Chazon, qui va venir, le Shabbat qui vient, c'est un des Shabbatot qui prend le nom de la Haftara. Chazon Yeshayahu. Yeshayahu, c'est un prophète. Et il était au moment de la destruction du premier temple. Et il a prévu, il a tout dit, il les a avertis. D'accord? Et le mot Chazon, dans le mot Chazon, les enfants, ça s'écrit Het Zayin Vav Nun. C'est quoi ces lettres-là? C'est, écoutez bien, Chatsi Za'am Vechatsi Nechama. Très joli. Je répète le mot. Chazon, c'est une vision. Voilà la vision de Ishayahu. Chazon Ishayahu ben Amos. Voilà Ishayahu, c'est lui qui a écrit le rouleau de Echa. Il a raconté tout ce qu'il avait prévu. Par l'ordre de Dieu, bien sûr, est arrivé dans la destruction. D'accord? Parce que les gens, ils pensent que comme on a le temple, on peut faire ce qu'on veut à côté. Hein? Oui, madame. Juste une précision, Ishayahu, c'est Esaïe, c'est ça? C'est Esaïe, d'accord, Chazon. Le mot Chazon, c'est Hatsi Za'am, la moitié, c'est de la colère, Vechatsi Nehama, et la moitié, c'est la consolation, d'accord? Dans le Midrash, pas le Midrash, dans Ishayahu, dans Esaïe, dans le Perek Vav, c'est écrit que va Eshma et Kol Hashem Omer. On va approfondir un verset. Vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est la profondeur de la Torah. Va Eshma et Kol Hashem. J'ai écouté la voix de Dieu. Omer. Qu'est-ce qu'il disait? Et mi et shlah. Qui je vais envoyer? Comme ça, il a dit. Je n'ai pas vu, ça fait longtemps. Et mi eshlah, qui je vais envoyer? Ou mi elech lanou, et qui va partir pour nous? Je répète, parce qu'on va approfondir ce verset. Dans le Perek Vav Pasukret de Ishayahu, c'est écrit, va eshma et kol Hashem. J'ai écouté la voix de Dieu, Omer, qui disait, et mi eshlah, qui je vais envoyer? Ou mi elech lanou, et qui va partir pour nous? Alors, ça tombe bien, Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève de Arizal, et la Hiloula, elle tombe mercredi, ça tombe en même temps que celle de ma mère. Ma mère, elle est morte le jour de Arizal. Alors, ça tombe bien. Rabbi Chaim Vital, il a posé deux questions. Quand tu dis « mi elech », qui va? Qui va, ça veut dire « c'est volontaire ». Qui c'est qui veut aller? Donc si quelqu'un il se propose, c'est volontaire. Mi elech. Mais quand tu dis et mi eshla, qui je vais envoyer? Ah, ça c'est un ordre. Ça c'est un ordre. Et mi eshla, ça veut dire qui je vais envoyer? C'est la première question. Le passou qui se contredit. Nous on lit, mais chaque mot du prophète, c'est comme chaque mot de la paracha. Pourquoi la paracha, elle a écrit un mot et pas un autre? La même chose, il pose une question. Il dit au début, c'est au singulier. Et mi eshlah.
Hein? Non. Mi Eshlah. Qui j'envoie? Eshlah, c'est au singulier. Après, il dit, ou mi Elech Lanou. Lanou, c'est au pluriel. Donc, on commence par le singulier et on finit par le pluriel. Ça, c'est les deux questions de Rabbi Chaim Vital. Alav Shalom. D'accord? Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève de Arizal, qui était plus petit que lui. Rabbi Chaim Vital, il avait 52 ans, et Arizal, il avait même pas 30 ans. Alors une fois, il lui a dit, Rabbi Chaim Vital, à Arizal, il lui a dit, pourquoi il y a des questions qu'un élève peut poser à son rav, sans se gêner. Il lui a dit, pourquoi toi, tu comprends le Zohar plus que moi? Je veux savoir. Est-ce que je n'ai pas assez étudié? Je n'ai pas assez approfondi? Alors il lui a dit, Arizal, dis-moi combien de temps tu prenais pour comprendre un morceau du Zohar? Il lui a dit, je prenais beaucoup de temps, et il lui dit, et quand à la fin tu comprenais pas, qu'est-ce que tu faisais? Il a dit, je jeûnais 3 jours pour comprendre un morceau du Zohar. Il lui a dit, moi je jeûnais 8 jours. La réponse, là, je lui ai dit, ah d'accord. Des fois on croit que c'est la même chose, pourquoi un élève, il s'appelle plus élève d'un rave que les autres. Ah, c'était mon rave, oui, c'était ton rave, tu venais, tu écoutais quelques cours et après tu es parti. Mais cet élève, il est resté collé à son rave, comme Yeshua. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Yeshua? Na'ar lo yamish mitochoel. Il était derrière Moshe Rabbeinu. Il rangeait les tables, il amenait le café, il amenait le... Bon. Alors voilà la réponse de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il a dit, quand Dieu il fait du bien, il le fait seul. Quand Dieu veut te faire du bien, il ne passe pas par un envoyé. Mais quand Dieu veut faire du mal, il passe par le Bedin, le tribunal de là-haut. Ben oui, il y a un tribunal là-haut. Hu ou Bedino. Comme ça, c'est écrit dans Midrash Rabba. Et c'est écrit, Vashem himtir al sedom. Rachid amène ça. Et Dieu, pourquoi tu dis Vashem? Va, Vashem. Il dit Rachid, Hu ou Bedino. Lui est le Bedin. Quand Dieu veut amener du mal dans une ville, dans un continent, dans un... D'abord, il veut avoir le consentement des... Oui. Et dans les reproches qu'il nous fait Irmiao, il y a 2 parties. Un, quand il veut nous reprocher, c'est Dieu et le Beddin. Et quand il dit « Oumi elech lanou », c'est au singulier. Voilà maintenant la réponse aux 2 questions. Pourquoi une fois c'est écrit au singulier? C'est pour nous faire du bien. Et pourquoi c'est écrit au pluriel, au mielechlano? Ça c'est pour faire du mal. Alors c'est écrit Elé Adévarim. D'accord? Voici les paroles. Voici les paroles que Moshe a parlé. Elé Adévarim, ma chère d'Iber Moshe. Mais il bégayait Moshe ou il bégayait pas? Oui. Et comment il a dit un livre entier, Elé Adévarim? Parce que Dieu l'a mis dans la bouche. Alors le Midrash dit, quand il a voulu lire Elé Adévarim, Dieu lui a enlevé le bégayement. Il ne bégayait pas. Avant de mourir, et du premier Shevat au 7 Adar où il est mort, Moshe Rabbeinu, Hachem il lui a enlevé, il ne bégayait plus. Voilà. Et pourquoi il a continué à bégayer alors que Dieu il a guéri tout le monde à Matan Torah? Hein? Tu t'es posé la question. Il y a 2 réponses. À Ramban, il dit, il n'a pas voulu prier pour guérir. Et pourquoi il n'a pas voulu? Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu prier pour guérir, pour se rappeler à chaque instant que Dieu lui a sauvé la vie quand il était à côté de Pharaon. C'est un ange qui lui a poussé la main, hein? Et comment on sait que c'est un ange? Dis-moi, quand tu touches une braise, tu fais comme ça, tu retires la main. Comment lui, il a eu la force de prendre la braise, ces 3 secondes pour l'amener à la bouche? C'est un ange qui lui a fait exprès, d'accord? Pour le sauver, et c'est bien, Moshe Rabbeinu, la Karatatov, et ouais,
On va le dire dans la Haftara qui va venir. Yada Ashor Koneu, un taureau il connaît son maître. Yada Ashor Koneu, Vachamor Evus Be'alav, un âne il connaît la besace de son propriétaire. Ami Loïd Bonen, mon peuple n'a pas réfléchi. Et la question de tous les commentateurs, comment tu nous compares à un animal? Un animal, il vit avec les instincts. Un animal, il connaît le sac de son propriétaire. Qu'est-ce que tu dis? Yada, Shor, Koneo, Hamor, et vous. Mais on n'est pas des animaux. Et la Gemara dans Eruvin dit, Rabbi Yochanan dit que si on n'avait pas reçu la Torah, on aurait appris à se conduire des animaux. On aurait appris à se conduire des animaux. Exemple, on aurait appris à cacher nos déchets comme le chat. Il creuse d'abord, après il fait ses besoins et il recouvre. On aurait charrié notre femme, comme ça dit la Gemara. On aurait charrié notre femme comme il fait le coq. Le coq, il vient pas chez la poule, il dit, allez, rentre ici, viens ici. Non, il tourne derrière, dort, béachimani, dort. C'est la Gemara, elle le dit. La Gemara, elle nous dit, il faut apprendre des animaux. Alors, quelle est la réponse? La réponse, c'est que on aurait changé notre caractère. Dieu, il veut qu'on change notre caractère jusqu'à que ça devienne naturel, comme le taureau. Comme le taureau, il reconnaît le bien de son propriétaire, nous aussi, on doit travailler sur nous jusqu'à que on n'a pas besoin d'une réflexion pour le faire. Est-ce que je dois être reconnaissant envers celui-là, envers celle-là? Tu réfléchis à chaque fois et après tu dis, ah, il faut être reconnaissant. Non, il faut monter le libre arbitre. Rappelez-vous ce que je vous dis. Le libre arbitre, il faut le faire monter. Au fur et à mesure que tu es dans la Torah et tu étudies la Torah, le jour, ils ont dit à Rambam, il a écrit qu'il y a un chassid. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est arrivé à la perfection? Écoutez bien, hein. C'est à Rambam, c'est pas n'importe qui. Il a dit, je vous raconte ce que j'ai vu, comme ça il dit Rambam. Il y avait un juif, il était dans le bateau pour voyager du Maroc en Espagne. L'Espagne appartenait aux Arabes. Et il y avait un grand chef militaire musulman, arabe. Il est venu devant lui, il a ouvert sa braguette et il a fait pipi sur lui. Je dis les mots du Rambam. Il a dit, ce monsieur, il n'a pas bougé. Il est parti le voir. Il a dit, ça ne m'a rien fait. Il a dit, quelqu'un qui arrive, que l'honneur ou la honte sont les deux ex aequo chez lui, il est arrivé à la perfection. Quelqu'un qui rentre à la maison après un cours et son mari lui dit, alors, qu'est-ce que tu as appris, hein, encore des histoires. Il le laisse parler. Ou quelqu'un qui lui dit, ah, tu sais, tu es belle, tu es trop. Les mêmes qui t'ont gonflé le ballon, les mêmes avec une aiguille peuvent faire éclater le même ballon. Ah ouais, faut faire attention. D'accord? Alors, Rashi nous dit, alav shalom, hein? Rashi dit que quand il a commencé Eléa Devarim, Dieu il lui a enlevé. Et c'est quoi Eléa Devarim? Il est venu faire des reproches. Moshe Rabbeinu, il est venu faire des reproches à Moshe, au peuple d'Israël par allusion. Si vous voyez tous les mots qui sont écrits dans Eléa Devarim, par exemple, il dit Vedi Zahav. C'est quoi, on était à Dizahav? C'est quoi Dizahav? Le veau d'or. Le veau d'or. Il leur a dit Ben Paran ou Ben Tofel. Hein? Chaque fois, c'est comme un voleur. Un voleur, une fois, il a voulu voler. Mais il savait pas qu'il y avait le pitbull à côté du propriétaire. Et le pitbull, il lui a mordu, hein, le bras. Donc, il a pas volé. Alors, quand il passe dans cette rue, rien qu'il voit le chien, il sait qu'est-ce qui lui est arrivé. Alors, la même chose, il dit le Maguid Midouvna. Mon cher Rabbeinu, il leur a fait par allusion que, attention, oui, attention. Mais la question, elle est, quelqu'un qui fait teshuva, est-ce que c'est permis de lui rappeler ses fautes? Non. La Mishnah, elle dit dans Baba Metzia, que si c'est un converti,
Tu n'as pas le droit de lui dire, hey, tu sais d'où tu viens, toi? Tu sais ce qu'ils ont fait tes parents? On n'a pas le droit. Ou un juif, prenons un juif. Il était voleur, il était menteur. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Et alors tu parles avec lui, tu lui dis, ah, de toute façon, toi, d'où tu viens, hein? Vous êtes la famille des... Depuis quand on peut faire ça, une barre? Assour! Assour d'amour. Alors comment il a fait, Moshe Rabbeinu? Comment il fait ça, Moshe Rabbeinu? La raison, hein? Les allusions. Comment il a fait les allusions? Il n'a pas le droit. On a vu dans la Guémara, Resh Lakish, il a fait Teshuva avec Rabbi Yochanan. Il a vu de loin, il a cru que c'était une fille. Il a sauté. Quand il est arrivé, il a vu que c'était un homme. Et Rabbi Yochanan, il n'a pas perdu son état d'esprit. Il lui a dit, tu as cru que j'étais une fille? Il a dit, oui, j'ai une sœur plus belle que moi. Tu fais Teshuva, je la donne. Il a dit, d'accord. Et après, quand ils ont appris les dinim d'une épée, quand est-ce qu'elle est finie? Vous savez qu'il y a les dinim de Touma. Si une casserole est touchée mort, hein, elle devient impure. Mais quand est-ce une casserole, elle est casserole? Quand est-ce une épée, elle est une épée? Alors, est-ce que dès qu'elle sort du four, ou dès qu'on la trempe dans l'eau froide, on la saisit? Alors Rabbi Yochanan, il lui a dit à Resh Lakish, par allusion, hein, il lui a dit, toi tu t'y connais. Oh là là, il est mort d'angoisse, Resh Lakish. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un, ah toi, sûrement. Hein. Par exemple, on parle du jambon. Hein. On parle du jambon, et tu sais que elle a mangé avant le jambon, ou lui, là, tu lui dis, toi tu étais, et tu étais chez Flinch, hein? Tu étais chez le Satan et Satan que tu flanches. Tu lui fais des trucs comme ça. C'est assaut. Le problème, c'est que Moshe Rabbeinu et les Juifs, c'était une seule âme. Et quand on est une seule âme, si on voit chez son élève qu'il n'a pas guéri, on peut lui parler. On peut lui dire. Par exemple, tu peux toujours dire à un Kohen, tu peux toujours lui dire, même s'il est calme, reste calme. Pourquoi? Parce que dans la nature du Kohen, il est nerveux. Sa nature, c'est de d'être nerveux. Tu connais des exemples? Et ben voilà, le premier. Donc, même quand il est calme, tu peux lui dire, reste calme comme ça. C'est pas une honte. Parce que en lui, il a centrale nucléaire, elle est toujours là. Hein, si un Kohen ne s'énerve pas, il faut pas aller chercher. Il faut aller voir, est-ce qu'il vient vraiment, est-ce qu'il est un vrai Kohen ou non. Un Kohen, c'est comme ça. À 9h, il s'énerve, il peut casser la maison. Et à 9h01, il lui dit à sa femme, tu peux me faire un café, chérie? Mais comment? Des fois, ma femme me dit, mais comment tu fais? Comment tu fais? Je dirais, folle avec toi. Non, c'est comme ça, on est comme ça. Vous avez Kohen et Gémeaux, c'est... Alors, mon cher Rabbeinu, c'était le maître d'Israël, il connaissait ses élèves. D'ailleurs, on va voir dans Azinou, il a dit, vous allez rentrer en Israël, vous allez fauter, vous allez faire et vous allez faire. Comment on peut... Tu vas dire à quelqu'un, tu sais toi, tu vas être un assassin si Dieu veut. Un assassin? Oui, et toi, si Dieu veut, tu vas être un violeur. Bon, qu'est-ce qu'il parle comme ça? Mais c'est quand on connaît la nature de la personne. Quand tu connais ton frère, tu connais... Alors la même chose, mon cher Rabbeinu, il a parlé avec allusion. Hein, avec allusion. Et la question, elle est comme ça. C'est quand le Maguid Bidouvna, il dit une chose comme ça. Il dit comment on peut associer les deux. Regardez comment il doit être un dirigeant juif. Il a dit, un dirigeant juif, il n'a pas le droit de parler du mal. Il n'a pas le droit de parler du mal à Dieu des juifs. Malgré qu'il voit le mal, il voit le mal. Mais aux juifs eux-mêmes, il peut dire ce qu'il veut. Mais à Dieu, il ne faut pas parler des choses mal. D'accord? Comment il a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, quand les juifs ils ont fauté, ils ont fait le veau d'or, comment il nous a sauvés? Il a dit à Dieu, ah ouais, ils ont fait une grande faute, c'est un peuple à la nuque roide, il a commencé. Ok. Comment tu peux être un avocat en répétant la faute qu'il a fait ton client? Alors le Maguid Bidouvna,
Il a donné un exemple fantasmagorique. Il a dit, un petit, parce que Moshe Rabbeinu l'a dit à Dieu, ils ont fait une grande faute, ils viennent de sortir d'Égypte, quoi tu veux, 50 jours après, tu veux qu'ils deviennent des anges, dans leur le temps. Et après, quand il nous parle à nous, deux visages. D'avoir deux visages. Il a dit un petit qui a fait la bar mitzvah. Il a fait la bar mitzvah jeudi. Samedi matin, il est avec le costume à la synagogue. Hein, le costume, hein. Et dès qu'ils finissent la lecture, il descend voir ses copains qui jouent avec des billes. Ah, viens jouer, Shimon, viens. Elle a dit, j'ai le costume. Le costume, hein, on a joué hier, tu peux pas jouer aujourd'hui. La bar mitzvah, elle est fraîche, elle n'est pas rentrée encore en lui. Il enlève la veste, il commence à jouer, il se salit. Alors, comment il va raconter ça à sa maman? Il y a deux façons. Ou il monte, il dit, eh ben c'est arrivé. Ou avant d'arriver à la maison, il se met à crier, maman, maman, au secours, je suis sale. Sa mère va lui dire, c'est pas grave, ça va, tu es sale. Mais il y a le pressing. C'est ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'est mis à crier, Dieu, ils ont fait du mal, les Juifs. Ah, Dieu lui dit, pourquoi tu cries? Ça va, ils ont fait du mal. Mais c'est d'air, on va arranger ça. Et quand il parle aux Juifs, il a dit, vous êtes un peuple extraordinaire. Comment il a dit, pour prendre quelqu'un et le faire chef sur les enfants d'Israël, dit, tu vas être chef, tu sais sur qui? Tu vas être chef sur des princes, en descendant d'Avraham, sur des princesses. Hein? Comme il a dit Nixon à Madame Golda Meir, il a dit, moi je suis président de 220 millions d'habitants. Notre pays, c'est pas comme le vôtre. Elle lui a dit, vous avez raison, mais moi, je suis premier ministre sur 5 millions de présidents. C'est pas pareil. Quand tu, oui, les enfants à la maison, nos enfants, c'est des princes, c'est des présidents. Donc, pour parler à Dieu, faut parler du bien des Juifs. Et quand tu parles aussi à tes enfants, tu peux les corriger, mais devant Dieu, il faut avoir deux visages. Écoutez bien ce qu'ils disent. Nos chachamim, ils disent, aïe. C'est pour ça que c'est écrit chazon. C'est quoi chazon? Hatsi za'am. La moitié, c'est de la colère. Vehatsi nehama. Et la moitié, c'est la consolation. Il a dit dans la paracha qu'on va lire, Moshe Rabbeinu, il a dit, Echa Esa Masachem Torhachem Verifchem. C'est quoi ces mots-là? Il a dit, Masachem, c'est les Juifs qui voulaient pas accepter la sentence de Moshe. Il a dit, tu es condamné, tu sais, c'est pas bien, tu lui dois de l'argent. Qu'est-ce qu'il faisait? Attends, j'ai des témoins. Et il va chercher les témoins. Alors les témoins, non, ils dormaient. Les témoins, ils dormaient. Les Juifs, c'était un poids. Et oui, ils viennent, ils rouspètent. Moshe, j'ai eu la manne, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il te manque de la rissa, tu es tunisien. Il te manque de la mayonnaise, tu es français. Qu'est-ce que tu veux? Ou bien, s'il sort de bonheur, Moshe Rabbeinu, pourquoi il est sorti de bonheur? Ah, ça va pas avec sa femme, hein? Il est sorti du bonheur. Hier, ça a dû crier à table et tout. Il est sorti en retard. Ouh, quel gazérot il va nous faire, ce mec. C'est extraordinaire. C'est comme celui qui critique. Tu fais un grand mariage, il voulait nous montrer que lui, tu as et compris. S'il a fait un petit mariage, et si tu fais un petit mariage, il est radin. Donc, comme tu fais, c'est pas bien. Tu comprends? Tu prépares à ton mari un beau Shabbat, c'est tout ce que tu as fait. C'est tout. Avant, les poivrons en train de remuer. Une fois, je suis resté en train de remuer les poivrons parce que ma femme, elle devait amener le petit chez le pédiatre. Quand elle est revenue, je lui ai dit, appelle les pompiers. Je suis brûlé, là. Je ne sais plus quoi faire. On ne sait pas. C'est comme ça. Quelqu'un qui veut te trouver la puce, il te la trouve. Comme ça, ils étaient les Juifs avec Moshe Rabbeinu. Echa Esa Tarachem.
Il a, comme ça, Moshe Rabbeinu, il a dit, Verifchem, il allait le matin, il revenait l'après-midi, il allait le soir, il revenait. Pour embêter. Pour embêter. Dieu, il a dit à Moshe Aaron dans la paracha de Shemot, je vais vous mettre chef sur les enfants d'Israël, mais mes enfants, ce n'est pas des enfants n'importe quoi. C'est des enfants gâtés. Mes enfants, oui. C'est des gâtés. Tu as acheté 7 sortes de gâteaux, il te dit ton fils, il n'y a pas de gâteau à la maison. Pourquoi ? Tu n'as pas acheté les dames blanches. Il y a des gâteaux, ils s'appellent dames blanches. Oui. Tu n'as pas acheté. Il y a chocolat. Non, alors chocolat une fois, mon fils, il a sorti, il a ouvert le frigidaire, encore un peu, il fait du givre. Il n'y a pas à manger dans cette maison. Alors elle lui a dit, mais pourquoi ? Et il n'y a pas de pizza. Mais on ne peut pas mettre une pizza au frigidaire, mon fils. Il faut la commander. Eh bien, pas de quoi manger ici. Mes enfants, c'est des gâtés. Mes enfants, c'est des princes. Et je vous mets dessus. Vous devez les supporter. Et Moshe Rabbeinu, alayhi salam, il a dit. Moshe Rabbeinu l'a dit, mais j'en peux plus. Qu'est-ce que tu veux ? Et de la tomate dans du pain, oui. Ajoute-moi de la rosette, oui. Après, la moutarde, oui. J'ai plus envie de ce sandwich, je veux un autre sandwich. Autant. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux un sandwich tunisien. Et tu prépares. Après, non, écoute, je veux un beignet. C'est comme ça, mes enfants, c'est comme ça. Mes enfants, c'est des... Comme je dis à chaque fois au mariage, le type y croit à juste titre. Mais il faut lui dire qui il épouse. Tu épouses une fille juive, c'est une princesse. Une fille juive, c'est une princesse. Tu lui offres le diamant à 9h, un pois chiche. Barakallah, le kara, vikarazé, elle zévermar. Elle voit un bon pois chiche à 9h. Et à 9h05, tu lui dis, s'il te plaît, chérie, un café. Elle te dit, va chez ta mère. Voilà, c'est comme ça. Tu lui as rien amené. Tu crois que tu lui as amené. Nous, on est des princes, on est des princesses. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, « Akadosh Baruch Hu, tu sais, tes enfants, c'est pas n'importe qui tes enfants. » Eh ouais, c'est pas n'importe qui. Et nos Chachamim, ils ont dit, il y a un prophète qui s'appelle, oui, il y a un prophète où, vous connaissez le roi Hizkiyahu, il est tombé malade. Le roi Hizkiyahu, il est tombé malade. Il est venu le prophète Yeshaya. Il lui a dit, tu sais, il lui a dit, Yeshaya, tu vas mourir et pas vivre. C'est quoi ça? C'est du français. Tu vas mourir, tu vas mourir. Tu vas mourir et tu vas pas vivre. Et là-bas. Chaque mot, hein? Ici, là-bas. Et olamazé, et olamaba. Hazak, Karol. Et olamazé, et olamaba. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, tu t'es pas marié. C'est grave dans la Torah si on ne se marie pas. C'est très grave dans la Torah. Il lui a dit, mais je vois par la... C'était pas n'importe qui. Je vois par la prophétie que je vais avoir des enfants Rechaim. Il lui a dit, ça, c'est pas tes affaires. Ce que tu vois, c'est une chose, mais dans l'action, il faut que tu fasses. Parce que sur Terre, on peut changer, on peut tout changer sur Terre. Malgré, comme c'est écrit au sujet, on l'a lu... Là, on a lu Shabbat, Corinne, on a lu, si on trouve un cadavre dans la terre, hein, on cherche quelle est la ville la plus proche. Et les rabbanim et les kohanim viennent et ils disent, on n'a pas fait attention, qu'on ne l'a pas accompagné. Mm-hmm. Et alors, le Al-Shiri pose la question, qu'est-ce que ça veut dire si tu trouves un cadavre sur la terre, où tu vas le trouver? Où tu vas le trouver? Le cadavre sur l'eau, on ne parle un cadavre, la majorité des gens, ils vivent sur la terre. Il a répondu avec une chose extraordinaire. Quelqu'un qui meurt, jeune, c'est qu'il a mérité. Enmita belo avon. Il n'y a pas de mort sans péché. C'est pas possible. Et alors, qu'est-ce que... Même qu'ils ont décidé là-haut qu'ils allaient le tuer, nous, si on savait, avec notre prière, on peut changer. On peut changer tous les décrets de là-haut. C'est le cadeau qu'il a fait le bon Dieu à chaque juif. Chaque juif, il peut prier à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur
il déchire les mauvais décrets. D'accord ? Alors, ce prophète-là, ce Chizkiyahou, il lui a dit, Ishaïa, écoute, donne-moi ta fille. Ta fille, le mérite à toi, et le mérite de mon père, mon grand-père, Dawid, Ameler, on fera de sorte que les enfants, ils vont pas mal sortir. Il lui a dit non. Dieu l'a décidé que tu meurs. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a dit, tu peux sortir d'ici Ben Amot. Il ne lui a pas dit Yeshaya. Pourquoi ? Parce qu'il s'est raté. Il lui a dit, Gemire mi betaba. Il y a une halakha dans la maison de mon père. Ça veut dire depuis David Amelech. Afilou. Kherev khadamuna had al tzavaro shel adam. Même si l'épée est sur toi, oui. Ne te décourage pas de prier. Tu peux enlever la guisera. Il s'est mis à prier. Et Shaya, où il est venu, il a dit, Dieu, il t'a ajouté des années. Je te donne ma fille. Il lui a donné sa fille. Ils sont sortis. Deux enfants, un plus rachat que l'autre. Un, il s'appelle Rav Shaké. Il est mort jeune. Et Ménaché. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'il a fait, Ménaché. Oui. Ménaché, la Gemara, elle a dit, Jérusalem, elle coulait de sang tellement il a tué du monde à Jérusalem. Il a mis une idole à quatre faces pour dire à Dieu dans le temple, de là où tu vois, c'est Avodah Zara. Alors les anges, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu le tues pas ? Il a dit, je ne peux pas le tuer. Regardez la force de la Tzedaka. Avant la rentrée du temple, il a fait une auberge. Tout celui qui venait au dehors de Jérusalem, il voulait manger Halak Bet Yosef et dormir. 52 ans, Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas détruit le temple pendant 52 ans parce qu'il a fait Tzedaka. Hesed. Gimilut Hazadim. Regardez ce que la Tzedaka, elle peut faire. 52 ans. Et après, quand il a détruit le temple, ils l'ont amené en Babylonie. Et au milieu de la marmite où il était en train de bouillir, il a prié Dieu. D'abord, il a prié tous les idoles qu'il y avait à l'époque. Hein, tout en camant, tout en carton. Ils ont tout prié. Et il a vu que rien du tout. Et il s'est rappelé que son père lui a dit que même si tu fais tes chouvas dans le malheur, je viens te sauver. Et il s'est mis à crier, Hachem, sauve-moi. Et la marmite s'est levée. De Babylonie, il est parti jusqu'à Jérusalem. Il a fait Teshuvah. Il a ramené des gens. Il a ramené des gens dans la Torah. Sachez, mes chères sœurs, moi, j'ai acheté un livre qui est sorti dernièrement, qui s'appelle, puisque tu as appris de l'hébreu, ma chérie, qu'est-ce que c'est Refaim Yakumu ? Les guérisons ? Refaim Yakumu, les fantômes se sont levés. Les fantômes. C'est un livre. J'ai entendu parler. C'est un livre. Il y a écrit à ne pas mettre dans les mains des enfants. Si tu vois ce qu'il raconte, comment ce qui se passe dans le ciel, regardez, tu peux pas. De nos jours, ce qui se passe là-haut, chacun son but, chacun son. Tu peux pas t'imaginer. Eh bien. Il a dit Rabbi Chaim Vital, dans l'autre monde, il y a des yeshivot. Quand on va mourir après 120 ans, tu choisis, si tu es une tzadeket ou un tzadik, tu choisis, tous les jours, tu peux choisir une yeshiva. Chez Rabbi Shimon Baruch, je suis là. Hein, toi, tu vas voir là. J'étais sûr qu'il y avait un truc quand même, pour une fois qu'il nous motive. Tu vois, il y a le premier ciel, on explique la Torah comme ça, deuxième ciel, troisième. Il y a un echal. C'est-à-dire un endroit des Baalé Teshuva. Qui c'est le Rosh Yeshiva des Baalé Teshuva ? Ménaché. Et il a ramené des gens. Il a ramené des fois que tu crois que tu es désespéré d'un enfant ou d'un élève. Pétard, j'ai tout donné. J'ai tout fait. La carte bleue, la carte rouge, la carte verte. Il me rend le mal. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas, Be'ezrat Hashem. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Écoutez bien. Le prophète, il a dit, Bani Mashitim, je suis avec des enfants qui sont mauvais.
pas sentir, c'est-à-dire S-O-N-T, d'accord? Et il a dit, Betoch Am Teme Sefataim Anochi. Je suis parmi un peuple où sa bouche, elle est sale. D'accord? Comme ça, c'est écrit. Il a dit, Hoy Goy Chote, malheur au peuple qui faute. Zera Mereim, une descendance de mal. Bani Mashitim, des enfants mauvais. Comme ça, il a dit. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah dans Shira Shirim? Altir Oni She Ani She Har Horeb. Ne regarde pas que je suis bronzé. C'est pas la couleur de ma peau. C'est Shezafatni Hashamesh. C'est le soleil qui m'a bronzé. Chaque juif au fond de lui, le juif le plus loin possible, il fait Pessah. Le juif le plus loin, il fait Kippour. Le juif le plus loin, il fait Mila. Bien sûr. Alors, comme il a mal parlé, écoutez bien, c'est écrit dans la Gemara de Yebamot, Daf même tête. Qu'est-ce que c'est écrit? Il est Menaché, il a attrapé. Menaché, il a attrapé son grand-père, Yeshayahu. Il lui a dit, dis-moi, il y a une contradiction entre ce que tu dis toi et ce qu'il dit ton rav. Qui c'est le rav de Yeshayahu? Moshe Rabbeinu. Il lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, Ki lo irani Adam vahai. Un homme, il ne peut pas me voir et rester vivant. Mm-hmm. Ce n'est pas une punition. On répète chaque fois. Ce n'est pas une punition. C'est que l'âme, elle retrouve l'essence divine. D'où elle est venue, c'est comme un aimant. Voilà. Ce n'est pas une punition. Nous, quand on était petits, on a cru que c'était une punition. Et c'est, de là-bas, c'est sorti que les empereurs chinois et tout ça, la population ne pouvait pas les voir. Et pourquoi? Parce que c'est écrit « Kelo irani Adam vahai ». Il lui a dit « Oui, madame, oui, madame ». Parce que effectivement, comme vous le dites, ça a toujours été pensé comme ça, que c'était une punition. Voilà, c'est pas une punition. C'est ton âme, elle retrouve d'où elle vient. Nous sommes une partie de Dieu. Et il nous laisse comprendre ce qu'il veut. Et plus tu rentres dans la Torah, plus tu comprendras des choses que les autres ne comprennent pas. Oui. Oui, on a trouvé un prophète converti qui s'appelle Ovadia. Ovadia, c'était un prophète converti. Et la Torah, elle dit, il a dépassé dans un domaine Avraham Avinu. Oui, parce que dans la Akeda qu'on lit tous les matins, c'est écrit « Ata yadati kiere elokim ata ». Et il lui a dit le prophète à la femme de Obadia, « Je sais que ton mari haya yare elokim me'od ». Et ajoutez le mot « me'od ». Avraham, il n'y a pas eu « me'od ». Oui, il y a des convertis qui nous donnent... des leçons. Ah oui, ah oui. On a fait passer des convertis mercredi dernier. C'était émouvant. J'ai eu les larmes aux yeux. Elle a dit, elle fait le schéma. Je suis prêt à mourir pour Dieu. Une tonne d'émotions. Ils nous donnent un exemple. Qu'ils sont prêts. Alors, il lui a dit, toi tu as dit, ton rave il a dit... On peut pas voir le bon Dieu rester vivant. Et toi, tu dis dans la prophétie, Va'er'e et Hachem, Yosef, Al-Kiseram, Venissa. J'ai vu Dieu qui est assis sur le trône. Première question. Deuxième question. Tu as dit, Dirshu Hachem Be'imatseo. Cherchez Dieu quand on le trouve. Ça fait déjà des moments où on le trouve pas. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, Mik Hachem Kelokenu. Qui est comme notre Dieu, on l'appelle de n'importe quel endroit. Alors tu te contredis, toi tu dis une chose, et dans la Torah de Moshe, c'est écrit une troisième. Écoutez bien, la troisième question, il lui a dit, tu as dit à mon père, et mispar yamecha amale, que Dieu il va lui ajouter 15 ans. D'accord? Et mispar yamecha amale. Ça veut dire, quand un homme il est né avec un chiffre exact combien il va vivre, et toi tu viens, tu dis,
je vais lui ajouter 15 ans. C'est une contradiction. Et la Guémara, dans Yevamot, elle dit, et ça, il faut qu'on fasse attention à nous, voilà. La Guémara, elle a dit que Yeshayahu, il n'a pas voulu lui répondre. Parce que tant qu'on ne lui répond pas... Tu n'as pas fixé le décret. Ça s'appelle Shogeg. S'il fait quelque chose, il s'appelle involontaire parce qu'on ne lui a pas donné l'explication. Mais si je lui donne l'explication et il me tue, ça s'appelle Mézide. La Guémara, elle dit, Corinne, ça nous concerne, que Shem Shem Mitzvah Le'agid Davar Anishma, comme c'est une mitzvah de dire quelque chose qui s'écoute de l'autre côté, il y a le décodeur, car ainsi, Mitzvah She'lo Le'agid Davar She'no Nishma. C'est une mitzvah de ne pas parler à quelqu'un quand tu sais qu'il ne va pas t'écouter. Parce que maintenant, il va faire exprès le péché. Il y a des gens qui montent de degré, tu as compris. Et il y a des gens, ils ne veulent pas monter. Tant qu'ils ne montent pas, ils s'appellent Shogeg. Maintenant, la Guémara, elle dit, et c'est quoi la réponse à ces trois questions? D'accord? La Guémara, elle a dit, d'abord, Yeshayahu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit un nom de Dieu spécial. Et il est rentré dans un tronc de bois. D'arbre. En bois. Et Ménaché, il a pris une scie, et à qui disait un marteau, il a commencé à couper, jusqu'au niveau de sa bouche, il a coupé sa bouche et le sang est sorti. Pour nous dire, Mida Keneged Mida, il a parlé du mal des enfants d'Israël, il est mort par la bouche. D'accord? Il faut jouer, un dirigeant, il doit jouer sur les deux plans. Devant Dieu, il doit dire, les enfants d'Israël, c'est des princes, les enfants d'Israël, c'est les meilleurs, les enfants d'Israël, ça fait 2000 ans qu'ils souffrent, ça fait 2000 ans qu'ils prient sur le Beth Amikdash, ça fait 2000 ans qu'ils sont poursuivis par toutes les nations, parce que on a reçu la Torah, comme il m'a dit un goy à la Rouvière, il m'a dit, monsieur le rabbin, excusez-moi, vous savez pourquoi on vous aime pas tellement les juifs? Je lui ai dit pourquoi? Il me dit quand on vous voit, on voit les 10 commandements. Et nous, on fait le contraire. Quand on vous voit, on fait un ochi, l'oyelra, c'est pas possible. Monsieur le rabbin, vous êtes un peuple à la moralité très haute pour nous. Vous êtes très fort pour nous. Nous, on veut vivre, faire ce qu'on veut. On veut faire ce qu'on veut sans que quelqu'un nous reproche. Et là, vous êtes là pour nous reprocher. C'est pas bien ce que tu fais là. C'est pas bien. Dire. Comme nous, on dit. Tu dis à un goy, c'est quoi voler? C'est quoi le plus grand des voleurs? Quelqu'un qui fait mission impossible, il va, il prend de l'argent dans une banque. Hein? C'est le plus grand des voleurs. Nous, le plus grand des voleurs, la Gemara dit, c'est quand tu voles l'idée de ton copain. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais tout ensemble. Vous êtes deux sœurs, vous êtes deux amis, vous faites tout ensemble. Et là, tu veux aller en vacances sans lui dire. Tu es le plus grand des voleurs. Tu vois ce que c'est voler? Le plus grand... Pas aller prendre, ça c'est sûr. Un juif, il va pas. Mais le plus grand des voleurs, c'est quand on est deux copains, deux copines. On fait tout ensemble et tu vas faire quelque chose sans le dire à ta copine ou à ta soeur. Ou quelqu'un qui est marié, bien sûr, il veut faire quelque chose sans demander l'avis à sa femme. Il a le droit. Il a l'argent, il veut aller acheter une voiture. Voilà, mais c'est pas ça la vie. HaKadosh Baruch Hu, il a demandé la vie au Malachim pour créer l'homme. C'est ça. Ça, c'est le plus grand des voleurs. Et comme il a parlé mal, alors, faut pas parler mal des enfants d'Israël. Pourquoi il y a un avis, il est dans tous les milotes? Parce qu'il a parlé mal des enfants d'Israël. Il a dit, c'est un peuple, il faute, parce que les prophètes, ils voient tout clair. Il faute, il lui a dit, faute, tu vas être présent dans toutes les milotes et tu vas voir que le dernier des juifs, il fait la milan. Et c'est pour ça qu'il est obligé d'être là partout. Pourquoi? Et nos chachamim disent que celui qui assiste à une milan, il est pardonné des péchés parce que il a un avis, comme c'est un malard, il ne peut pas rester là où il y a des fautes. Et si tu assistes à une mila et tu manges, comme cette semaine-là, s'il y a une mila ou un pidyon haben, on peut manger la viande. C'est ordat mitzvah. Ou si on a fini une guémara, on peut manger la viande.
D'accord ? C'est comme ça. Quand, mais moi, je suis de Marseille, j'ai jamais vu, en 60 ans, quelqu'un qui a fait une mila avec de la viande après Roche-Rodèche. Tout le monde fait au poisson. Tout le monde fait au poisson. Parce que là, on est en train de s'associer au deuil de Dieu. Au deuil de Dieu. Les Juifs d'Algérie disent le couteau à la mer. Il y a des morts. Vous savez qu'en Israël, jusqu'à aujourd'hui, écoutez bien, moi, c'est mon frère qui me l'a dit, j'ai demandé à des gens, jusqu'à Tisha B'Av, il y a les méduses de 20 kilos. Oui, ouais. Et après Tisha B'Av, elles disparaissent comme par magie. Aïe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. D'accord ? Alors maintenant, Hazak ou Baruch, tu vas rattraper peut-être 1000 cours. Quand on vient malade à un cours, une heure de cours et vaut 1000. C'est ça. Eh bien oui, les gens ils pensent quand il est malade, il est dispensé. Ils ne savent pas qu'ils peuvent rattraper 1000 heures de cours en étant fatigué. Ah, tu vois, c'est pour ça qu'on l'appelle Doliprane 1000. Pourquoi 1000? Alors, nos hakamim nous a dit, alors quelle est la réponse à ces trois questions? La réponse, Ishayahu, Alav HaShalom, on va parler de ce Shabbat. Ce Shabbat, si Dieu veut, on va lire la Haftara de Hazon en Badiaou. Mais Shabbat prochain, il s'appelle Shabbat Nahamu. Shabbat Nahamu, chez nous, les Juifs, qu'on vient d'Espagne. On vient d'Espagne, au Maroc, en Algérie, de Tétouan, on s'habille en neuf. Ah oui, toujours. La consolation, il faut acheter du neuf pour Shabbat Nahamu. Ce Shabbat Hazon, on n'a pas le droit. Parce que, mais Shabbat qui va venir, Shabbat Nahamu, si Dieu veut, après. Et c'est pour ça que l'après-midi, nous, les Juifs espagnols, l'après-midi, c'est-à-dire à partir de 1h30, on lave la maison. 13h44. C'est combien ? 13h44. D'accord, 34, d'accord, merci. Oh, merde. Alors, 13h44. Oui, monsieur. D'accord. Et on fait des gâteaux. Oui. Les Juifs espagnols font des gâteaux spéciaux parce que le Mashiach, il est né l'après-midi du Tisha B'Av. Ah oui. Et une fois, hein, en 1813, Napoléon, il est passé à la rue pavée. Le jour de Tisha B'Av, et il entend des cris. Il a dit, c'est quoi ? Il y a quelqu'un de l'armée ou de la police qui leur fait du mal ? Il a dit, non, c'est les Juifs, ils pleurent sur leur temple. Il a dit, leur temple, quand il a été détruit ? Il a dit, à 1600 ans, 1300 ans. 1300 ans, ils pleurent. Il a dit, Napoléon, comme il a dit, presque une prophétie. Il a dit, les gens qui pleurent sur quelque chose qui s'est passé il y a 1300 ans, c'est sûr qu'il va revenir. On a eu RS Israël. Après 2000 ans, l'année prochaine en Israël, à Jérusalem, maintenant on a eu Israël, il y a les Yeshivot, il y a le Kotel, il y a les gens qui étudient. Et bien, Ezrat Hashem, on aura le Mashiach.